Et salut tout le monde! Comment ça va les jeunes? Ah, on espère que Comment vous êtes ça va motivés. Dylan? Tu vas bien? Bimbi, toi, Eh il est bien, forme. oui. Bah il fait frais, mais Ouais. bah il fait bien. Ouais, la petite capuche, tout ça. Ouais, parce que j'ai un petit problème de chauffage à la maison, donc je me les pèle. Voilà. Et donc, Mais sinon, bienvenue sur la JoJab TV. wouhou, tout ça. Voilà, hein, comme d'habitude, en compagnie donc de Bébé et Freeman pour une petite soirée HOTS, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Spécifions le HOTS, évidemment, Heroes of the Storm, pour ceux qui suivent pas avec nous, bien sûr. Voilà. En Oui. plus, vous avez l'écran devant. Et donc, comme vous avez dû le voir en news sur JoJeep, eh bien, on va vous refaire un retour aux sources avec le petit duo Tyrande Nova. Donc on va sûrement vous faire une ou deux games comme ça et Ça va se tuner. on va sûrement faire du coup ça comme c'était marqué sur la news, Tyrande Nova suivi de Uther Stitches et après les persos gratuits quand même pour vous montrer, on vous fera un petit match avec les persos gratuits du moment. Sinon, n'hésitez pas à nous faire vos propositions sur le chat dans le game ou sur le chat de Jujip. Parce que là, je vois par exemple Velzune, bonjour à toi, qui souhaiterait un build sur Lily, si nous avons ça Lily, oh là, dans je la l'ai pas joué poche. depuis longtemps. Je Voilà, l'ai pas joué moi non depuis longtemps. plus, Je l'ai mis mais level 5, mais. on peut se noter ça et donc te le sortir pour la prochaine émission. Parce que bon, là, le faire en freestyle, ce sera pas forcément très, C'est ça. Moi, tous les très persos que efficace. j'ai au moins 6, je peux vous faire des builds sans problème. Tous les persos que j'ai 5, c'est juste, voilà, je les ai joués pour les passer 5, mais après, je suis pas forcément un professionnel, quoi. Professionnel, professionnel. Voilà. Et je pense qu'à nous deux, si on prend tous nos persos level 6, en plus on joue des persos un peu différents, du coup je pense qu'on couvre quand même pas mal de trucs. Sachant que Milas nous a rejoint. Voilà, Yo Milas. le petit Milas, salut Le Milas, Milas. Le welcome. Milas. Qui a envie de jouer The Sonia. Pourquoi famous pas. one, j'ai envie Alors par contre, vous pouvez voter sur mon skin. de Soit celui-là, soit Pour celui-là. Berber, party in the place, tapez Pour le normal, tapez 1. un. Bré, tapez 2. Et pour la Tyrande des Neiges, tapez Ah, 3. on dirait une Voilà. mort-vivante. Bon, sans vouloir, voilà. Ça, c'est le 2. Hein. Je Voilà. recommence. Je Là, recommence. c'est C'est le 1. 2, Là, c'est le 2 2. ou Ça, c'est le 2. 3. Je sais. Du coup, avec Mila, si vous voulez nous rejoindre, il nous reste de place. Comme d'habitude, Freeman 2830. Et comme d'habitude, la caméra de Bébert cache le 2830. Voilà. Pourquoi c'est ma déco? Vespicirt. Bah écoute. J'ai été déco du chat, donc je vais essayer de me reconnecter. On va virer, je ne sais pas pourquoi. Je reviens, donc. T'es toujours là, mon Freeman? Ouais, je suis toujours là. Pas eu de J'étais en train bouger. de jeter un œil au chat. D'ailleurs, je vais devoir couper le chat dès qu'on va lancer la game, hein, parce que sinon, avec le stream, ça pose des soucis. Le petit Falstad, un jour, je l'entraînerai bien. Ça, c'est vrai que ça a des petits relents de luxe. Sinon, pour le build Lily, j'étais en train de regarder, je le jouerai pas. Je le jouerai pas ce soir. Mais Ah, mais j'ai été moi, je la découverte. joue full sup. Hein. Donc, vous Oh, pouvez, comme beaucoup de persos sup, la jouer soit full dégâts, soit full sup, comme Rengar, comme Lily, comme Tyrande, Tyrande. comme voilà tout le monde. Lily, moi, je trouve en dégâts, elle vaut pas le coup, alors qu'en sup, elle est vraiment colossale. Donc, vous prenez tout ce qui heal. Donc, augmentation de la portée du heal. Vous avez un petit peu plus tard, voilà, ici, le heal qui fait du heal sur le temps. Donc très bien pour les combats qui durent un petit peu. Après vous avez plus tard le double heal si je me souviens bien, voilà. Donc chaque fois que vous le faites, vous healez deux personnes en plus de vous, hein, parce que évidemment de base ça heal la personne plus un petit peu vous. Donc vous healez trois personnes en tout. Et du coup pour l'ulti pareil, hein, l'ulti c'est ulti sup en healant ou l'ulti DPS avec le dragon. Et comme moi toujours je reste dans l'optique heal, donc bah l'ulti, en plus dans un team fight, ça change tout quoi. Vous faites un team fight Clairement, continu, c'est vous vraiment activez le heal, ça remet mais énormément de le points de nombre de vie games où à on se fait genre pompe toute parce la team. que Mais le oui, temps qu'on le met à 2 points de vie et puis on meurt c'est jamais quoi. super fort.
Et donc après, en augmentation, évidemment, l'augmentation aussi du heal. Tout partout, le heal. Et donc là où il n'y a pas de heal, c'est-à-dire par exemple ici, voilà, moi j'augmente le nombre de targets sur le blind. Parce que le nombre de miss, en fait, c'est pas très important. Parce que ce qui compte, c'est de jambonner le mec au début. Donc que vous fassiez 2 ou 3 pertes d'attaque, c'est pas grave. À 2, j'ai envie de dire, vous avez déjà gagné. Par contre, si vous en faites 2 sur 2, bah, c'est encore mieux. Donc Joue le voilà. pourcentage. Voilà, là on est en heal, là c'est l'ulti. Et donc ici, je me souviens plus ce que je prends. Je sais plus, j'aime pas ce level là. C'est le seul où je sais jamais quoi prendre. Le slow c'est toujours pas mal. La paix c'est évidemment si vous jouez dégâts. Mais pareil, moi je prends ces deux là. Ou si vous avez en face un assassin, comme par exemple Tassadar ou Nova, vous pouvez prendre la réduction des dégâts. Voilà, par contre si vous voulez un build DPS, et eh bien pour l'instant ce sera sans moi parce que je l'ai pas du tout joué DPS. Donc voilà, revenons aux sources. Petit détail, mon cher Est-ce ami, que... les dédécos, c'est parce que tu déco sur le chat ou pas? Pas du tout. D'accord, bah donc j'ai pas vu si les gens ont voté pour mon skin, sinon du coup je prends celui-là. Velzoun qui part manger, donc dernier appel si vous avez envie de jouer avec nous, Freeman 2830, et sinon on lance comme ça, avec Milas. Ouais, je vois qu'on a un petit Komar mais qui est déjà en train de jouer, tant pis. Dans les non connectés, bah écoute, ils se connecteront. J'appuie sur Ready. Ouais, Voilà. on va lancer comme ça. Du coup, hop, je coupe Locked and loaded. le chat. Du coup, s'il y a des messages pas me transmettre. Donc au fur et à mesure de la game, donc notre cher Freeman va vous verrez en direct hein, les sorts qu'il prend. Si jamais tu veux expliciter pourquoi tu prends plutôt l'un, plutôt l'autre, machin. Et au passage, moi, je vous donnerai quelques petits tips sur Tyrande, si monsieur me laisse la parole de temps en temps. Oh, tout de suite. Tout de suite. Non, si je dis ça, c'est parce que c'est pareil, c'est compliqué. Tyrande, on pourrait en parler longtemps, parce qu'on Ouais. pourrait la jouer full DPS, on pourrait la jouer full support. Oui, je pense que Et c'est moi, je d'ailleurs préfère la jouer même. hybride. Ouais, je pense que c'est un des rares persos. Ça et Rengar, je pense Qui que c'est peut les tout deux faire. seuls persos où voilà, vous pouvez vraiment jouer les deux, mais vraiment bien, quoi. Être un très bon DPS ou être un très bon sup ou jouer un mix des deux qui est très fort aussi. Peut tout faire sauf tank. Je pense que Tyrande tank ça marche pas. Ouais, voilà. Alors que Rengar tank, c'est moins Ah oh, bien si, que non les mais deux arrête. autres. Arrête avec Rengar, C'est t'es moins insensé. bien que les deux autres, mais ça marche aussi, quoi. Ce perso est cassé. On le prend, on le casse, il continue à jouer. C'est ça. On lui saute dessus, brrr, il continue, il se relève, puis qu'est-ce qui se passe? Puis entre-temps, vous êtes mort. Donc bon, tu le joueras peut-être après. Sinon, nous avons la Blackheart's Bay. Magnifique accent en English. Les sous. Une des maps Donnez-moi les préférées du sous. château. Et voilà Argent. Jean. Ah, Jean. Bon, sinon, je vois dans le chat aussi, on me dit désolé, je suis low level, etc. Mais vous inquiétez pas, hein. On accepte tous les niveaux. Et puis si Ah on peut vous oui. faire progresser, c'est avec grand plaisir. Si Ah vous pouvez là, me donner des petits tips le and but de la tricks. soirée, hein, c'est pas de faire du On fait stomp pas des sur les ranked, gens, hein, hein. Voilà. voilà. Ça ne nous intéresse pas, en tout cas pour le stream. C'est pas du tout ça l'optique. Je crois que j'ai planté. Le game est lancé là? Non. Bah attends, je déco et je reco. Petit souci technique. Me La voilà, game on qui the met way. énormément de temps à charger, hein. Je pense que justement, elle est en train de t'attendre. Bah vu qu'elle mettait du temps, j'ai cliqué dessus, ça m'a fermé le truc, c'était peut-être pas une bonne idée, je ne sais point. PC me fait un peu des bizarres en ce moment, alors ça m'inquiète un peu. Rejoin. Ok. Cliquez. Partie est lancée. Est-ce que tu pourrais bébert to reconnect? Donc, vu qu'il y a eu une petite news et que du coup certains d'entre vous sont venus spécialement pour ça, je vais refaire le build, sachant que Nova, je la joue au moins une fois à chaque stream, donc bon. Depuis le temps, vous devriez commencer à Serait-ce la ton perso connaître. préféré? Je pense que c'est celui avec lequel je rigole le plus.
Mais mon préféré reste Vala dans le sens où elle est quand même plus adaptée. Ça veut dire que vous pouvez prendre une Vala quels que soient les autres joueurs que vous avez. Nova, c'est pas le cas. Nova, c'est pas du tout le cas. Même. On prend le mid tous les deux? Ouais, si tu veux, je suis en train de me call. Ah oui, c'est vrai que c'est le bot qui joue pour toi. D'accord, je me disais, mais t'es en train d'avancer. C'est vrai? Oh, la Valak a décidé de prendre deux coups de tour gratuits. On va essayer d'en profiter. Voilà. Je suis en train de charger la map. Toujours gratuit. Non, mais pourquoi est-ce que je vais faire troller ce soir? Faut arrêter un moment là. Laissez le bébé gamer. Pourquoi? Donc avec Nova, au début, vous pouvez faire 2-3 trucs. Comme contrer les lignes ou des choses comme ça. Après, vous pouvez plus du tout laner. Et d'ailleurs, il y a une... Il y a une Jaina qui est un contre, qui est le contre de. Jaina. Le contre de Nova. Là, on va avoir un souci. Il faudrait. T'es où t'es. C'est toi qui joues. Non, t'es en chargement encore. Je dirais si je rentre. Enfin, à mon avis, tu le sauras avant moi. Et donc, du coup, c'est problématique parce que voilà, le problème c'est que Nova toute seule elle fait rien. Alors, tiens, j'ai une question. On counter comment la Nova? Car avec deux potes, on a eu des soucis. La Nova venait à toutes les fins de teamfight pour nous assassiner. Bah, Nova, il y a deux solutions. Enfin, il y a plein de solutions. Déjà, règle de base, dès que vous êtes moins que 1000 life, faut pas que vous soyez à portée de tir. Donc vous êtes soit derrière vos murs, soit vous faites un back. Après, vous avez le contre de Nova qui est Jaina. Tout simplement parce que elle a des dégâts sur la durée. Et elle peut faire 3 spells d'affilée. Et donc Nova, une fois que vous êtes visible, vous êtes mort globalement. Donc Jaina qui est un très 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 bon contre. Et sinon vous avez, si je me souviens bien, Tassadar. Tassadar qui est un très bon contre et qui est même absolument parfait. Parce qu'il a un passif qui... Non, il a un passif surtout qui dévoile la zone. Donc pour tout ce qui est contre Nova et... Bah pour rebondir sur cette notion de d'oracle de révélation de zone, bah avec Tyrant, vous avez le piu-piu que vous balancez qui révèle aussi. Et souvent, j'ai jambon des Nova comme ça, puisque donc elles mettent leur double S-bar. Ah, et donc, si vous faites attention, vous arrivez quand même à voir sur les graphismes par où elle s'en va. Ouais. Et là, vous balancez le piu-piu, vous la révélez et c'est fini pour elle. Tyrant, ça marche beaucoup aussi, surtout vous pouvez la stun. Au pire, vous faites un blind stun, ça peut peut-être même passer. Donc voilà, tous ces persos qui peuvent révéler une zone ou un perso. Évidemment, c'est fort. Les persos tanky, évidemment, c'est fort. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué de tuer un Muradim. Je suis au bot là. T'es au bot? T'es au bot, je vais y aller. Et Milas, si tu peux aller en haut. Attends, je vais aller l'aider à prendre les camps. Ah, je lag en plus. Oh, c'est terrible. Ah, ça me refait comme juste avant la bêta. C'est chaud, ouais. Oh ce regard. Non, sérieusement. Je l'ai mis là-bas. Oh là là. C'est vrai que ça lag assez sévère, j'ai envie de dire. Ah, toi aussi tu lags? Ah ouais, mais c'est assez méchant. Il y a peut-être pas de moi. Milas, si jamais tu lags, dites-nous dans le chat. Ça vient de moi et du stream ou tout simplement. Il y a... Fais gaffe, il y a l'assassin qui est là. Ah bah je... Puis moi, je suis pas level 7, donc tant que je suis pas level 7, je ne peux rien faire. Je reviens au bot. Ouais. Je reviens au bot. Et ça c'est voilà, ça c'est le problème de Nova aussi. Si vous voulez jouer contre Nova, vous restez tout le temps dans les creeps. Parce que le Nova, le gros de ses attaques, c'est aussi sur son sort numéro 1, qui est un sort ciblé et qui s'interrompt sur le premier
sur le premier champion. Donc il n'y a pas que les auto-attaques. Enfin, même avec le lag, j'arrive à faire des jukes. Le juke master. Le jukes. Vraiment, c'est un petit random, random pew-pew. Treasure for everybody. Everybody, yeah. Vas-y, on va essayer de jambonner. Ah là 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 là, la dureté. Toi tu vas faire les voilà, on l'a bien cramé. C'est horrible ce lag. Hein. Puis là c'est simple, c'est soit c'est moi, mon là, stream qui chat. Fait que le PC lag. Découvre là. Voilà. Parce que du coup ça peut plus venir de ma connexion, ça c'est une certitude. C'est même plus que sûr, oui. Ah, si tu veux, j'ai mis la barre. Non, je fais pas encore assez de dégâts. Voilà, c'est bon, on attend pas, on peut se casser. Donc là l'idée, ce qu'on a fait, parce que si le team fight nous semblait bizarre, c'est que Milas était en train de rendre ses golds, donc on a juste en pot, on les a un peu fait chier pour qu'il ait le temps de rendre ses 3 golds, et puis comme ça on est content. Est-ce que je peux jambonner? Bien sûr, après on disengage, enfin, ça c'est la théorie parce que les gens ont continué. Est-ce que je peux jambonner? J'ai pas l'impression. Faudrait qu'on fasse les camps pour faire des golds là. Sinon ouais, j'arrive. J'arrive, tu veux que je bait? Ah là je lag tellement. Ouais c'est horrible. Ah, c'est pas jouable. C'est terrible. Même les skills ils partent plus tard quoi. Ah, c'est terrible. Je suis vraiment désolé, tous les viewers qui nous suivent là. C'est problématique. Je vois pas ce que je fais. Looks like your foe beat you to it. Let this be a lesson to you. Allez, faut le tuer. C'est horrible les skills qui partent 2 ans après. Ah là là, je fais ce que je peux. Non, oh, double kill avec mon ulti quoi. C'est vrai. J'ai essayé 15 fois de te heal. Ça a pas marché. Par contre du coup même ah, c'est... ça m'a pas compté les stacks de double kill. En fait les stacks faut être en vide pour les avoir. Comme quoi on apprend des choses tous les jours. More stacks. Ouais. Executing. Donc Nova hein, comme d'habitude assassinat, le rampage pour être de plus en plus fort plus vous faites de kills. Évidemment faut pas mourir comme j'ai fait là. Le pareil là, l'assassinat. Et l'ulti, ça c'est vraiment, ça dépend de la compo d'en face. Moi j'aime bien celui-là, simplement parce qu'il se lance de n'importe où sur la carte. Donc vous pouvez aider vos amis, même quand vous êtes mort et que vous venez de respawn, vous pouvez les aider dans le fight. Tu viens le tuer ? Il est dans ses minions, hein, c'est un Asmodan, je peux pas faire grand chose. Faut le stun quand il est comme ça. Fais gaffe, hein, dans les minions, il tape fort. Hein. J'essaie de le bait pour toi. Oh là là, on prend un deuxième, ouais. Oh, je vais bien aider. C'est le troisième. Hein. Enfin, je veux dire, on s'en est pris la deux de la filet. C'est triste de laguer comme ça. C'est une partie qui porte une qualité. C'est un match USL, on y est presque je pense. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Ouais c'est juste parce qu'il n'y a pas d'autres champions en fait. Bon je vais essayer de solo lane du coup, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Et donc avec Nova, le seul chose que vous avez à faire, c'est toujours être présent quand il y a des kills pour monter votre barre de pouvoir et ne pas mourir. Donc si vous voyez que c'est vraiment trop compliqué, bah vaut même mieux abandonner le fight et laisser un mec mourir plutôt que de perdre. Voilà, si vous perdez vos stacks, c'est vraiment dramatique.
Donc ça arrive, hein, évidemment, vous allez mourir pendant la game, hein, vous faites pas du zéro mort, surtout avec un assassin. Mais ouais, fais gaffe. J'essaye de les... Non, ils ont pas pris au jambonnage. Non, ça lag tellement, mais c'est pas possible quoi. C'est incroyable. La dureté du lag. Oh là là, c'est injouable. Salut Polo. Ils sont 5 au bot. Alors j'hésite à faire mon ult, mais ça va même pas tuer les minions. Du coup vaut mieux que je les garde pour quand on va fighter. Oh là là. Oh là là. Oh là là, les spells qui partent, mais tellement, tellement après. C'est juste fou quoi. Je vais essayer de le two shot. C'est GG, Samilas. Voilà. Je sais pas si on a des trucs à rendre, non, parce que de toute façon, le devis. Samilas, il a. Samilas, il a un peu. Ouais, c'est parti. Comme disait je solo lane. Milas, faudrait que tu viennes rendre les trucs tant que on a l'occasion. On peut se retourner sur Non, je vais mourir. J'arrive. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, Adam plays. Je vais aller me planquer dans un coin pour TP. Genre, pareil. Oh là là, ce snipe! Oh, tu l'as vu ou pas? Non. Oh, c'était d'une splendidité. Strictly business. Faut à tout prix qu'on escorte Milas. Ah putain, ils viennent de l'orme. Oh là là. Tellement, tellement, tellement incroyable cette petite. Bon, j'ai 3 stacks. Faut à tout prix protéger Milas. Hein. Cease fire! They want more. They'll need to pay up first. Loud and clear. Oh, je vais pas avoir d'assist. Bon, moi je l'ai tué. Et donc dans les skills d'après, ça c'est les deux où vous avez un peu de liberté, j'ai envie de dire, tous ceux-ci vous avez pas vraiment de liberté. Hein, si vous voulez vraiment être assassin avec Nova, il n'y a que ça à prendre. Pour ces deux là vous avez un peu plus de liberté. Moi j'aime bien monter le decoy pour pouvoir avoir plus de chances de survie en fait, parce que du coup là vous en avez un troisième, enfin un deuxième, trois avec vous, et les deux font des dégâts, donc c'est pas mal quand vous par exemple vous êtes dans un 1v1 contre un autre assassin qui peut aussi lui vous tuer très vite, bah vous pouvez le tuer encore plus vite avec ce truc. Bon,
du coup je suis retombé à 0 stack. Alors, il va là à 4 gold. Faut aider à des push là. Oh là là, le regard. Let's skip the treasure hunt. It's right there. Go grab it. Ah, le stun. Le stun qui passe. Le stun qui touche. J'ai plus de mana. Nose. Ah, oh, je vais faire assassin. Oh là là, la tristesse. Je fais un magnifique stun. Donc normalement faut absolument pas que je prenne des gold parce que Nova est vraiment trop weak. Mais je pouvais pas les laisser. Voilà. Oh là là, on a plus de fontaine. C'est bizarre parce que du coup je sais pas si les autres lag aussi ou pas quoi. Milas qui lag juste un petit peu. Que nous deux on lag sachant qu'on est plus sur la même ville maintenant, c'est quand même assez bizarre. Et même plus sur le même opérateur. Hein. Et même plus, ouais, voilà. T'es équipé toi. T'as le chat qui est ouvert, le stream, quelque chose? Non, j'ai tout fermé. Allez, go! Moi je suis en train de def. Hein. Wow! Ouais, son élémentaire, ça fait des choses, surtout que. Salut Vespaz. Ouais, c'est frustrant de pas pouvoir défendre ses chances quand même. En route. De toute façon, donc là, moi je vais me balader pour essayer de voir où ils sont, tout simplement parce que je ne sers à rien en dépush. Étant donné que je n'ai pas de. Je vais bait un petit peu, voir où ils sont, je vais prendre le point. Bon, ils sont pas en train de faire le boss, c'est déjà ça. On va graver un petit peu d'informations. Personne au top. On chope les golds là tant qu'on y est. Vas-y. Ah, moi je peux pas, hein. Moi je suis bien pour des push les grosses bières quoi. Ah là là, ils vont finir. Ah putain, évidemment, je me suis montré au moment. Ah oui, bah là c'est fini. Et je peux pas t'aider. Non, mais de toute façon, c'est fini. Ouais. J'espère que ça va pas laguer comme ça toute la soirée. Sinon, on est mal barré. Vérifie, mais non, hein, j'ai rien d'ouvert. Non, ça vient forcément du jeu parce que c'est pas Skype qui va nous prendre beaucoup. Ah, moi j'ai regardé. Regardez, j'ai pas trouvé de nouveaux soucis. Alright. Bon, bah écoute. Essayons quelque chose qui nécessite un peu moins de réflexes.
Parce que du coup, jouer Novak en Salak, c'est vous loupez un snipe sur deux. Donc bon, clairement, vous perdez de l'intérêt. C'est un perso qui a besoin d'énormément de réactivité. Donc, on va se prendre un UTR, posé, tranquille. Oseille. Voilà. Petit tuteur du coup que j'ai acheté la dernière fois. Parce que c'est vraiment un des persos que je kiffe le plus. Komar il est reparti en game. Et Blackout moi, aussi. Bien tant pis. Je vais prendre un tank histoire de pouvoir. Voilà. Tanker. Bah voilà. J'avais dit Stitchy, je prends Stitchy. Ah là, franchement, Mila, c'est pas la compo qu'on a perdue. Hein. Ah oui, non, clairement pas. Hein. Franchement, j'étais limite un bot. Rayman, c'était pas facile non plus. Monture. Changer de monture. Alors, même quand je veux changer. Non, c'est horrible. Déjà, rien que là, je lag. J'avoue. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai débloqué ça. Oh! C'est le Master Skin? Non. Ah, c'est le carte bleue skin. Ah, mais, la nouvelle map! Mais bon, c'est vraiment, ça fait partie des deux skins, c'est celui-là et celui de TRL, c'est vraiment les deux skins payants que j'adore. Et la semaine dernière, il était à moins 50%. Du coup, bon, j'ai dit, allez. Donc c'est la carte bleue qui a parlé. Voilà. Bah, même pas, j'avais des sous sur mon Battle.net. Alright, donc la nouvelle map, pour ceux qui la connaissent pas, moi je la trouve sympa. Freeman l'aime pas, tant pis pour lui. C'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est que je l'aime pas. Merci pour ce commentaire. Non, c'est donc en gros, vous capturez un point. Ouais. Le temps que vous avez le point capturé, vous avez une espèce de tour qui défonce les objectifs ennemis. Par contre, quand la tour pop, il y a aussi un monstre qui pop en même temps, donc en gros pour garder le contrôle de ce point il faut fighter des monstres. Et c'est une 3 lane, c'est une grande map. Bon, en fait moi j'aime bien ces objectifs là. Ouais. Après je comprenne que ce soit pas forcément le kill de tout. J'aime bien les objectifs, mais ça manque de random. Il faut vraiment qu'ils fassent du random dedans, parce que là en gros on sait que en premier c'est les deux du haut qui vont s'activer, en deuxième celui du bas. Donc en gros une team qui est à 5 et qui se prépare bien, bah c'est un peu la win quoi. Donc UTR, comme vous le voyez, je le joue médic. Donc je vais bizarrement prendre des choses de médic. Je sais pas aller sur quelle ligne d'aller. Donc UTR, vous pouvez jouer de trois façons. Dégâts tank, heal à distance ou heal au corps à corps. Donc des fois je m'amuse à faire du heal à distance, des fois du heal au corps à corps. Je vais aller avec Nova d'ailleurs. Ça aurait été mieux que ce soit Rhaegar qui y aille. Ce que je lui ai proposé, c'est qui Mila, c'est Asbo. Ah non, Mila c'est Nova. Parce que moi je peux pas, moi je suis un sup, hein, donc si on est un sup, c'est un qui oh là là, t'as pas vu ce grab. Donc là je vais quand même prendre ça, comme ça on va pouvoir finir le mec. Voilà. Allez, oh là là. C'est de la prise de skill adaptée, on va dire. Je lag tout autant, c'est ignoble. Mais j'ai fait un grave. Ouais, ça va un petit peu mieux. Je vais pas vite. Ça va. Bah oui, voilà. Tu sais, le skill de la map, moi je suis à bout. C'est un mélange entre Lugolane et Starcraft avec les Protoss, je suis overfed. Pour l'instant on creep hein, parce qu'on trace beau, voilà. By my honor, light of the sun glows within the temples. Soon they shall bask. Tu me protèges? Faut le taper un peu quand même. Ouais, mais il y a l'autre qui va arriver.
Mais bon, je l'ai eu. Attends, je recule pour stopper le truc. Ah. Tu mets sur le machin. Ouais. Donc évidemment, ils font des attaques, mais les attaques sont, comme dans tous les MMO, sont ciblées au sol, donc c'est franchement pas dur de les esquiver. Par contre, je peux pouvoir tanker des masses. Ouais, bah en fait, il faudrait que... Le seul problème du terrain en début de partie, c'est que les spells coûtent cher, du coup, voilà, faut que je les optimise. Voilà, voilà, on a quand même contrôlé le point super longtemps, donc même si on se barre maintenant, c'était worse. Alors, je prends pas ça d'habitude en deux, mais là, il y a le truc qui augmente les hits que je reçois et les régénérations à 30%, et comme j'ai un pote militaire avec moi, bah, je vais cliquer. Comme ça, je serai intuant, mais je vais aller au mid parce que c'est fait. Défonce le mid à 3v0. Honor guides me. T'as juste pété une tour. Faut que tu viennes. Non, faut que je vienne là. Je suis où il faut. Si on a un Asmodem qui. Ouais, mais y'a personne au mid là. Je touche pas des maths. Agreed. J'aurais dû reprendre la reprise de mana, mais j'ai vu teamfight. Donc j'ai pris le stun, voilà. Parce que quand même, Uther, la grosse diff, parce que le heal est vraiment bien, mais ça fait pas une grosse différence en combat. Si les personnes ont un très bon focus, ils peuvent tuer la cible plus que vous le healer. Et donc j'aime bien quand même augmenter la réduction CD du stun, parce que un stun, bah, ça change tout. Un stun vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Précisément. Voilà. Il est en train de le faire. J'hésite à faire un back maintenant. Il y a un Stitches. Oh putain, j'arrive. Non, mais en face. J'allais dire, il y a un Stitches qui a pas beaucoup de vie. Voilà, c'est bon, ça va, vas-y, stun. Bim. Voilà. J'ai pas encore le stun. Ah, mais c'est game changing un stun, hein, du coup, moi je. Ouais, mais je l'aurai tard. Je vais faire un heal là, tant pis pour mon mana. Hop, par contre j'ai ça. Parfait. 4 grappes sur 4, je tiens à le dire. Solidité. Alors voilà, là putain vous avez 5 choix. Alors moi j'aime pas les deux derniers. Donc là encore une fois, si vous jouez contre une Nova qui est en train de faire un rampage, qui est en train de vraiment tout défoncer, n'hésitez pas à ce niveau là qui est pas très utile. À prendre la clairvoyance qui permet de vous révéler les auras. Ah. Non, je suis parti, j'avais plus de mana. Donc si vous avez une Nova ou alors un... Comment il s'appelle? C'est pas Tassadar? Si, c'est Tassadar. Enfin, si vous avez un assassin invisible qui est très très bien dans sa partie et que vous voyez qu'il joue bien, n'hésitez pas à prendre ça. Là, moi, je vais prendre ça pour pouvoir healer. On va essayer de faire quelque chose. Non, viens, j'ai du heal. Voilà. C'est lui là qu'il faut taper. Hein. Moi je peux pas, hein. Ah, j'ai raté. Ah, dommage. C'était de grappler la board. J'ai été tenté. Pas c'était réussi. Moi du coup, c'est le back. Vous voyez, hein, donc cette map, quand on n'arrive pas à garder le temple, ben on prend quand même super cher. Ah oui, non, mais c'est surtout qu'on sait que c'était en bas et on n'y est pas allé. Bon, c'est de notre faute aussi. Magic of the temple. Ils sont 4 en bas. Bah, y'a personne qui vient. Puis on a pas une. Donc sinon oui, tu peux continuer sur le perso, sur Uther. C'est Lily qu'il faut que tu tues. Ouais, bah du coup moi ici c'est la celui où il n'y a pas énormément d'impact et vous avez plein de choix. Donc prenez en fonction de là où la game en est. Moi là, je vois que je vais devoir quand même beaucoup healer. Du coup, j'ai pris ce qui me donne de la réduction de mana et de la réduction de CD si je heal avec mon laser. Right. Bah en deux mots pour ceux qui connaissent pas Stitches, donc le perso que je joue, donc c'est un tank, hein, vous l'aurez remarqué, il va dans la masse, il prend
pas beaucoup de dégâts. Il a un grab. Qui c'est qui s'est fait manger là? J'ai fait pas mal de fois, c'est évidemment très pratique. Je vous donnerai des astuces au fur et à mesure. Je pensais qu'on l'aurait. Le W, c'est un slam. Devant moi, j'ai un peu de dégâts. Oui, désolé, le regard a misclick et s'est fait un ulti sur lui quand il était plus life de moi, quand j'avais un PV. C'est le misclick du regard. Hop, voilà, donc là j'ai penché le gars. Et après quand il ressort, on lui fait la combo. Mais évidemment des 2v3. Là c'est compliqué. J'essaye de sauver Asmo. Bien, on va prendre évidemment un stun de zone. Stun c'est la vie. Agreed. Donc là je suis obligé de faire des bacs souvent parce que j'ai pas pris le spell de mana que j'aime beaucoup ici. Mais comme on allait avoir beaucoup besoin de stun, j'ai plutôt préféré le stun, mais sur la durée, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On verra. Bon bah je vais rester du coup. On fait le camp là en haut là. Je vais prendre la visu, j'arrive. Moi j'ai pas trop. Ah ouais non, ils sont là-haut. Allez go. Le Raynor. Hein. Ah là là, j'ai lagué comme un porc. Je sais pas qui j'ai grave. J'aimerais bien qu'on le tue sans mes ultis. Moi j'ai plus de CD alors je suis sur le temps. Ah, ça va pas grave. Ouais, mais faut être dessus. Bon, là je suis dessus. Vous voyez quand même les dégâts. Hein. Et donc c'est là, soit je pars tank. Ouais, on va partir tank parce qu'il va sûrement falloir que j'aille devant là. Le regard a pas l'air de. Ouais, tu crois? Ouais, non, le regard a pas l'air d'être. Oupé shit, comme on dirait. Hop, un petit grab de génie. Voilà, de génie. La génification. Allez, c'est la génification. Oh, je l'ai pas eu. Ah, elle c'est utile, Lily, d'accord. Mauvaise. Bon, on se casse. Ouais, plus de mana. Ouais, puis moi j'ai ulti dans le vent. C'était mauvais. Il est dur à placer quand même son ulti, Hunter. Ouais, faut être vraiment, vraiment dedans quoi. Faut être dedans, ouais. On se le fait ce camp. Oh, pardon, ce camp là. Ouais, j'arrive. Je jette mon mana, je suis à vous. Sinon, donc mon troisième spell, je mange une unité, ça peut être un sbire ou un ennemi. Et donc, suivant si vous le boostez ou pas, ça vous redonne pas mal de vie si vous avez des trucs. Et ça vous permet de tanker du coup avec la ragette, tout ça vous apporte. Et si c'est contre les persos qui le connaissent pas bien, bah ça vous permet aussi évidemment de faire un petit trick. Faudrait qu'on aille avec Milas parce que le problème c'est que Milas tout seul normalement il est pas censé pouvoir faire grand chose. Et moi je peux pas non plus hein. Mais moi je suis 1v3 au top en fait. Hein. Bon bah vas-y, j'arrive au top. A sound decision. Et il se barre là. Et je les doute un petit peu. Je vais essayer d'en grabber un sous la tour. Dommage. Bah non, c'est le genre de trick qu'il faut faire avec Stitches. Ou taunter un petit peu le mec. Là par exemple, je fais l'ulti. Voilà. C'est bon, Lily, c'est l'ulti sur elle. Du coup, c'est impeccable. C'est Lily qu'il faudrait taper. Moi, je suis pas de CD. Donc... J'ai pas encore mon stun, donc ça franchement quand... Avec Stitches, quand vous avez le stun sur le slab, c'est franchement une autre game. C'est Lily qu'il faut taper. Ah, il va double dash. On a pas de dégâts. Hein. Tous les trois, on a pas de dégâts. On va tuer les gens. Et ils sont encore sur un temple, c'est pas possible. Que fait la police? Ah, il m'a empêché de back. For the light. A
Après ils sont que deux en bas. Pourquoi Nova elle est pas allée sur le temple là? Bah toute seule elle fait rien, c'est pour ça je te dis faut non, tant pis, faut la laisser et faut que nous on. Faut que nous on aille avec elle. Creeps, ça enfin, Milas, tu vois, t'as tué 3 creeps, ça servait à rien. Alors qu'elle est pas. Ah, c'est sûr que Nova faut jamais être toute seule et jamais l'aîner. Parce que ça sert juste à rien. My temple's power has been expended. J'arrive. You are stronger than I believed. Hop. I like it. Alors, du coup, moi je fais du corps à corps. Donc ça c'est pareil, si vous êtes en distance, vous montez celui-ci, si vous êtes au corps à corps, vous montez celui-ci. Non, c'est l'inverse d'ailleurs. Et si vous êtes à distance, prenez ça, c'est vraiment génial, c'est les réductions de CD quand vous êtes full live. Donc si vous jouez deux derrière, tranquille, c'est génial. Par contre du coup... Donc sinon au passage, voilà, c'est level 16 que je chope pour stun, donc cette arme, et ça y est maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je vais quand même essayer de... J'hésite. Non, ils ont bien fait ça avant pour le grab à travers. Ah, bien jambon là. Si tu te rapproches, je peux te heal et tape la porte. Ah, dommage. Right. J'étais creep block, je ne pouvais pas ne pas prendre les dégâts du fort malheureusement. On teamplay pas du tout. Non mais c'est pour ça que je te dis, faut qu'on reste avec nous, Milas, la technique du bot quoi. If you know what I mean. Alors on vous explique la technique du bot, c'est que donc dans ce jeu, quand vous êtes... Dans tous les MOBA quoi. D'ailleurs c'était le cas tout à l'heure parce que moi j'y arrivais pas. Il y a un perso qui prend votre place, donc un bot. Et donc la technique du bot, ça signifie que quand vous êtes dans une team en solo queue ou en duo queue comme ça, donc vous ne jouez pas à 5, et que vous remarquez que les potes avec vous font pas forcément les choix les plus stratégiquement intéressants, et bah faut tout le temps rester avec eux. Voilà. Parce que quoi comme que vous fassiez, si vous pensez que votre move est plus intelligent, et bah ne pas être avec eux, 99% du temps, ça s'avère un... C'est Lily qu'il faut tuer, hein, je le rappelle. Moi je suis en train d'arriver avec ma locomotive. Ça va teamfight. Ça va teamfight sec, ça va graber d'ailleurs. Hop, regarde là. Je vais tout dire. Ouais, en fait, on manque de dégâts dans notre... Mais et aussi de cible, quoi. C'est Lily qu'il faut tuer. Mec. Uther, Stitches, Rhaegar, Asmodan. On n'a pas un pet de dégâts. Vous avez une peau pourrave. Regarde. Lidan il vient de se faire un 2v1, il va peut-être me tuer les gars. Donc il faut qu'on prenne les temps, on n'a pas le choix. C'est notre seule porte de sortie parce qu'en teamfight, on est pourri. Ah là là, oui, donc alors, vu qu'on parle de groupe pourri, des petits conseils pour faire une groupe intéressante. Il faut un peu de tout. Alors évidemment, il faut un tank, voire deux. Il faut des DPS classiques. Il faut aussi des assassins. Un spécialiste, un assassin. Pour avoir un pusher de lane. Un laner, un tank, un sup. Et vous êtes bien. C'est la compo classique. Et si le tank, ça peut être un truc utile, Arthas, histoire de faire du dips en même temps, bah c'est parfait quoi. Évidemment, dans ce jeu, vous avez remarqué, vous n'avez pas d'item, par contre, vous avez une très grande liberté pour vos builds. Donc il y a beaucoup de persos qui peuvent jouer hybride, ou voilà, bah, par exemple, Tyrell, qui peut jouer full tank, qui peut jouer full DPS, qui peut jouer hybride, Tyrande, full DPS, ou support, healing, ou les deux. Donc bon, après c'est à vous de vous adapter. Quand vous embarquez dans votre team, que vous êtes Tyrell par exemple et que vous avez que des tanks, bah partir tank c'est un peu débile. Voilà, c'est là que vous remarquez les bons joueurs, et c'est pour ça qu'il faut jamais dire bah voilà, il y a un build OP pour ce champion, je fais que ça. C'est toujours situationnel. Et j'en profite du coup pour rebondir sur une touche sur laquelle tu vas appuyer, mon cher Freeman, savoir tab show talents. Tu leur montres un petit peu.
On voit donc tous les talents de votre, de vos alliés, mais également de vos ennemis. Et donc, quand vous connaissez un petit peu les persos, bah, ça va plus vite parce que vous voyez les builds. Après, si vous connaissez pas, ça prend du temps, mais bon, c'est normal, un MOBA, ça prend. Donc, vous passez vos curseurs sur les items et vous voyez un petit peu ce que les gars ont développé. Donc, chez vous d'abord, et chez les ennemis après. Le grab. Vous empêchez de faire manger par lui. Pourquoi en fight là, on est 3 et 4 ? Bah, on était bien. Houston, c'est bon, cassez-vous. On était bien, mais il n'y a pas de focus lily, et c'est un vrai souci. Il est mangé. Tu peux le stun là sur le retour ? Non, si. Voilà, ouais, c'est GG. Dan, il peut pas test. Moi je tank. Vous voyez ce que je fais en fait ? Lily. Ah, je les stun, ça passe. Elle court tellement vite. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du pinning. Vas-y, moi je l'oblige à aller loin pour pas qu'elle heal les autres quoi. Donc comme je suis un tank. Oh, putain. What? Ah, bah ouais. Non mais on avait perdu trop au début. Il y a eu tout un mid game où on n'a pas joué ensemble à 5. Et ça a perdu la partie. On n'a pas exploité le fait que notre team ne devait pas teamfight mais prendre des objectifs. Et laisser Asmodan sur la lane pour perdre ma push. On aurait dû faire la technique du bot beaucoup plus tôt quoi. Dès qu'on s'est rendu compte que. Ouais. Que ça jouait pas très très bien. Parce que du coup, vaut mieux être à 5 avec les joueurs qui savent pas trop ce qu'ils font, mais du coup, au moins vous êtes 5, vous pouvez rattraper leurs erreurs, plutôt que de faire des choses qui sont stratégiquement bien. Ça veut dire faire un split push, aller faire des camps, qui normalement est la bonne solution, mais du coup, vous laissez le mec qui sait pas jouer tout seul, et ce qu'il fait, c'est plus dramatique que le bien que vous apportez en faisant l'autre stratégie. Donc, la technique du bot, dès que vous vous rendez compte que les personnes jouent pas forcément très bien, il faut appliquer la technique du bot. The bot technique. Voilà. Copyright Bébert et Freeman. Bon, voilà. Donc après, oui, toutes les sortes de techniques, on vous les dira évidemment à chaque émission au fur et à mesure. Je termine juste sur le pinning parce que j'avais commencé. Quand vous êtes tank, donc quand vous jouez un gros, le but du jeu c'est de prendre les dégâts à la place de votre team. Donc vous voyez, je m'étais devant, tout le monde se barrait. Le but du jeu c'était de s'enfuir parce qu'on voulait pas fight. Donc j'ai mis un stun, un petit contrôle de full pour empêcher qu'ils arrivent, et entre temps j'ai pris le plus de dégâts possible puisque moi je sais que je peux en prendre beaucoup, qu'en plus je peux me healer, qu'en plus j'avais Freeman qui pouvait me healer, donc je savais que j'allais pas mourir. Par contre je voulais pas que mes DPS meurent, donc c'est ça pilé. Voilà. Là dessus je pense qu'on va prendre une petite pause nette et on revient juste après pour jouer avec vous. Donc on vous rappelle Freeman 2830 si vous voulez jouer avec nous ou sur le chat de Jojip. A tout de suite. A tout de suite.
Et on est de retour! Non, non, c'est pas pour jouer un mauvais tour. Chanjiro, Donc. donc on avait dit qu'on jouerait des persos gratos. Moi, j'ai pas le choix vu que je lag, je joue un tank. Et en plus, dans mes quêtes, il faut que je joue un perso de Diablo. Donc, au hasard, perso gratuit, tank Diablo. J'envoie Voilà. des invites pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec nous, s'ils sont intéressés. Qu'il se manifeste, C'est ça. se taise à jamais. You're Ah, le welcome. Diablo Black, mais il est tellement stylé. Donc ouais, on referait une petite game avec d'autres. Moi, je voulais découvrir du coup ce I will perso que je fight n'ai my last jamais breath. joué. Donc c'est les Comment persos ça, t'as jamais gratuits. déjà Donc on va essayer toutes les parti? semaines de vous faire au moins une game avec les persos gratuits, que vous puissiez aussi en profiter. Donc je n'ai jamais joué Rega. Moi, je vous annonce que au passage, j'ai 9000 gold. Donc, dans 1000 gold, j'achète le skin de patron de Tyrande. Parce que c'est comme ça. T'es level 10? Non, mais je peux l'acheter quand même. Non, mais non, le Master Skin, c'est 10 000 gold et c'est à partir du level 8. Ah bon? Attends, c'est 8 ou 10? Non, Merde, c'est je sais 10 plus, je hein. raconte de la merde. C'est Oh. 10 hein. Non, non, c'est justement ce qui a débloqué le Master Skin, c'est le level 10. Level 9, tu débloques Ah, l'icône, quoi. saloperie. Bon, j'aurai au moins les 10 000 gold. Voilà. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Freeman quand on discutait un peu avant l'émission. Passer de level 8 à level 10. Mais c'est tellement C'est long. horrible, c'est horrible. C'est tellement long. Avec Encore un une fois, pas de boost, skill. c'est correct. Sans boost, c'est horrible. Enfin bon, Diablal, Régard. On invite un petit peu des potos. Si vous voulez nous rejoindre, donc Ouais. Freeman 2830, Jujibe TV Chat. Si vous êtes en train de manger, vous posez les pattes et vous venez gamer. Parce que gamer, Tekken Games. c'est la vie. Puis comme ça, vous nous soutenez un peu moralement, nous qui à chaque fois mangeons à 22h, 22h30 pour vous, public. Alright, bon bah écoute. On y go. I will fight to my last breath. Allons découvrir le regard. Donc Rengar qui, malgré sa capacité de dégâts, de tanking et de heal, est quand même considéré principalement comme un support. Donc il est catégorisé en tant que support. Tout simplement parce qu'au final, même s'il a un peu tout, tous ses spells ont une orientation support. Donc le heal au début, bah voilà, c'est une chaîne de heal, c'est du support. Ses dégâts qui se font à travers son bouclier, bah c'est un bouclier. Et son totem qui peut un petit peu faire des trucs reste un totem de slow et donc de contrôle, donc de support. Au final, c'est quand même catégorisé en tant que sup. Et pour l'instant, on en est à 3 maps différentes sur 3 games, ce qui est C'est sympa. honorable. Voilà. Clearly. Et je commence à avoir faim. Bah moi, j'ai bien les crocs. C'est ce qui est. The battle begins. Donc, quand vous êtes level 1 avec un perso, vous avez évidemment pas beaucoup de choix. Et là, si vous regardez bien, tous les premiers choix, c'est entre mes deux spells. Voilà. Et je pense que moi, je vais plutôt partir. D'ailleurs, je dis plutôt, mais on va regarder ce qu'il y a avec nous. The gates shall On open a in un assassin, un 10 DPS, seconds. un tank qui fait des dégâts. Je vais plutôt partir Five, sup aussi pour contrer four, Brightwing three, qui va pas mal sup en two, face. one. Moi je fais pas trop de dégâts, je pense qu'on va manquer de Let dégâts the battle exactement comme begin. avant. Il Bah va moi j'en ai un falloir petit peu. être en valeur. On a un assassin en plus, hein, c'est sûr, mais. Enfin en gros, il y a que moi qui ai une gauge, à part J'hésite. que je tanque salement. On a, le problème c'est qu'on a. Ah, on en a deux. On en a deux. On en a deux. Je pourrais quand même prendre ça. Parce qu'on a deux persos pour qui ça profiterait, le shield.
Bon, pour ceux qui connaissent, sinon Diablo... Mais le réduction de 70 à 45, c'est assez colossal quand même. On a 8 secondes de CD et 9 secondes de CD. Diablo, c'est un petit peu à volibière en fait. Vous vous projetez en arrière, qui peut charger, et vous projetez en arrière, donc évidemment c'est très maker comme on dit. Ça fait des choses. Alors au début c'est pas très fort, comme la plupart des tanks. Genre sauf Stitches, puisque dès le début il a son grappe. Ah, je me suis fait jambonner. Ah, c'est joli. Alors j'ai fait un super grappe qui n'a pas du tout été suivi par Valad. C'est juste un slow au début, d'accord. Et donc le Grégar qui fait partie de ces persos qui n'ont pas de monture, parce qu'il est tout le temps en mode ficherie. Une forme de monture, voilà. Là c'est la transformation en loup qui vous permet quand même de faire des spells. Je vais faire ça direct lui. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, plutôt aller tuer les autres. Surtout ne pas rester à côté de ce truc quoi. Ça c'était la très mauvaise idée de Valin. Je vais essayer de les jambons en ramassant les points là, vous voyez, les petites graines. Moi ça m'a rien coûté. Reste pas dans le truc. Non, justement, j'ai déjà pris sur une cible. Ça va peut-être me coûter la mort. Voilà. Vous voyez, je suis mort, mais j'ai gratté une dizaine de plantes. Donc on est au moins à 50. Eux, ils sont à 25. Donc je pense que c'était worth. Je vais prendre le Amplified Healing histoire de me healer plus. Enfin, ce qui est surtout fort, c'est que le passage en monture, en fait, il est instantané. Donc ça, c'est. Oh oui. C'est super balèze. Il est un peu trop fort, ce que je m'en oublie. Hop là. Ah, d'accord. Je peux absolument le tuer. Pourquoi on est tout seul? On est pas tout seul, hein. Voilà, c'est bon, le tuer. Ah bon, il est quand même parti. Moi je tank, vous voyez là j'ai pile, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Sauf que là c'était pas pour mourir, c'était pour qu'on puisse prendre toutes les gold. Enfin toutes les graines je veux dire, pardon. J'ai peut-être monté le blanc là, voilà. Pas grave, c'est moi le meilleur, c'est pas grave. Moi j'ai vraiment beaucoup tendance à me sacrifier pour la team. Par contre les autres ont pas back, c'est un peu dommage. Mais voyez, on est passé à 80. Donc c'était vraiment ça, donc c'est très important sur cette map d'avoir les 100 graines. Ça vous change la partie. Là ils vont forcément se diriger en bas pour essayer de se rattraper de leur retard, il faut qu'on y aille. Encore du donjon. Vous voyez, au départ en plus on n'a pas de dégâts, donc il est très très loin à tomber. Donc là ils sont manifestement dessus, mais... Le problème c'est qu'on n'est pas assez sur nos lanes, on perd tellement d'XP. Du coup ils ont pris beaucoup de dégâts. De là. Le problème c'est que la Vala back pas quoi. Elle reste mais elle back pas. Ça c'est la problématique. Pourquoi la Vala a pas fait un back? En fait, quand vous êtes un DPS comme ça, et surtout quand en face il y a des assassins, si vous avez plus de vie, il faut back. Parce que de toute façon, rester n'apportera rien. Vous pouvez pas taper. Parce que dès que vous tapez, vous mourrez. Donc quand c'est comme ça, vous cherchez pas. Hein. Vous êtes à un tiers de vie, vous partez, vous revenez. Les backs, ça va quand même assez vite. Dans un teamfight qui dure assez longtemps, il y a même moyen que vous soyez revenu pour le... Pour la fin du fight, on va aller faire les camps là. On est en train de manger les camps d'œufs pour être vite.
Mais ouais, après faut aller sur nos lignes. Look, Rigor. Choose a talent. Par contre, je suis level 2 avec Diablo, hein. Je n'ai pas beaucoup joué là. Donc, c'est pas forcément ce qui est le meilleur. Pense au petit camp là, vite fait. Mais en fait, je sais pas. Faudrait qu'on arrête de faire qu'on les. Fait rien dans... Parce que vaut mieux être sur une ligne, quitte à se faire push. Oui, mais là, on avait push là. Bah, y'a personne au bot, oui, t'as raison. Enfin, je sais pas ce qu'il fout. Oui, ils viennent nous aider à tuer un camp pourri alors qu'on se fait raser le bot. Je comprends pas. Ça m'énerve, j'y vais. Bah ouais, moi aussi. C'est un trou hyper cool. Mais du coup, j'espère qu'il va plus y avoir personne top. Vas-y. Je préfère essayer de tuer Diablo qui va juste. Va avec Valash. Tu t'en sors tout seul avec Vala. Moi je vais top. Ouais, ça devrait le faire. Je pense pas être un pusher, mais. Faut à tout prix qu'on rattrape cette XP quoi, là c'est trop dramatique. Understood. Voilà, n'a pas de dégâts. Je les ébait un peu là. Il y a un assassin sur moi. Moi je suis en mode. Je fais mon Diablo, hein, je stun les mecs, je les jump, voilà, il y a un moment pour les tuer. Hein. Évidemment. Bon, ça lui a coûté la vie. Du coup, ça lui a coûté la vie. Voyons voir si il avait pris. Non. Ok. Évidemment, dans le choix de l'ulti, je prends le Lightning Breath hein, parce que c'est l'ulti de Diablo, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'ai pas le choix, j'ai qu'un ulti, donc c'est l'ulti de heal hein, qui remet quasiment full life à un héros. Voilà. Il y a que les méga tanks en fin de game que vous healez pas complètement, mais. Là en fait, ils ont sans col, donc ils vont prendre, voilà, ils vont prendre la terreur pendant ce temps-là, il faut absolument qu'on prenne le plus de graines possible. Parce que nous aussi on est à 100 mais on s'en fiche. Oui, c'est cumulable, dépasser les 100. Là, voilà. Par exemple, là ils nous aident pas, c'est une connerie. Ah, ils ont changé le skin aussi. Après, Asmodan, c'est normal qu'ils nous aident pas. Non, je parlais du assassin. Asmodan, il doit rester sur sa lane. En plus, là, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, ils le voient pas les adversaires qu'on est en train de faire ça. Parce qu'ils voient pas nos graines monter. Donc c'est super fort. Par contre, il faut back et défendre parce que leurs graines à eux. Ça nous vaille. Tu veux le prendre ou je le prends? Bah attends, on fight 30 secondes et on le prend après. Non, je le prends tout de suite. On va pas gagner de place. Pourquoi les mecs fight quoi? Donc là normalement, vu le fait qu'on va perdre un camp, on est quand même. Oh là là, pourquoi? Donc là vous voyez, je tanque comme un gros crâne. Tape les aussi quand même. Hein. Bah oui. D'accord, monsieur. Je n'ai pas réussi à contrôler l'outil. Peut-être. Voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder. C'est quand même des conneries. Ouais. More fertilizer. Choose a talent. That's the universal.
Talal dit le cousin. Let's go. Attends, passez-moi. Je vais me faire tout shot par. Attends, il y a Vala qui creep. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec un assassin. Faites pas ça, s'il vous plaît. Venez teamfight, s'il vous plaît. Asmodan, il choisit de crever, on sait pas trop pourquoi. Vous voyez, on est au lead, hein. On est devant en termes de graines, mais par contre, en termes d'objectifs, ils nous ont pourri notre 3 tours. En termes de level aussi. Hein. Et en termes de level, on a 2 levels de retard. Vraiment pas bien. Attends, derrière, faut s'occuper des petites cibles. Oh là là, je vais mourir. Ouais. Tous leurs persos ont perdu un petit peu de vie, c'est absolument pas bon. On a aucun focus. En fait, je sais pas trop si j'ai le temps de faire beaucoup de dégâts entre. Voilà, vous voyez, ramener un mec sous la tour, c'est pas dur. Dessus. Ils vont devoir back, on fait les camps. On va au top. Ah non, il y a la nuit. 30 secondes. Moi je viens de respawn là. On a 20 secondes pour faire les trucs là. Il y en a pas un qui bouge, hein. Sérieusement, ils sont fatigants. Donc, ça sert à rien de dire. Hein. Ça se trouve, les gens on a la nuit, dans 10, on a 10 secondes pour les tuer. Hein. Ouais, je sais bien. C'est quoi? Et du coup, non seulement il est pas venu, mais en plus il allait mourir. Quoi. Quelle solidité! Donc, oui, on le répète, c'est pas grave, on y met des doubles, puisqu'on la touche, c'était. Mais quand vous avez pas d'expérience dans le jeu, essayez de suivre les pics des gens qui s'y connaissent, quoi. Il y a du monde, hein. Ouais. Mais Vala, qu'est-ce que fait Vala là? Ouais, donc là je vais piquer les seeds. Parce que je m'en fous de toi. Diablo. Parce que tu veux bien. Ouais. Ah, par contre, fight pas. Ah, t'as pas ton but? Non. Ah, je les stun, ça n'a pas suffi. Pendant ce temps-là, ils ont focus Diablo. Alors, aussi que c'est vrai. Jamais t'as tuer les mecs qui font des dégâts parce que les mecs qui ont fait ces dégâts ça sert un peu à rien. C'est horrible. Bon, après c'est bien comme ça on donne plein de conseils. On voit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Illidan d'ailleurs, c'est Zeratul. Je vais au mid. On est revenu à 17-17, donc ça veut dire qu'en XP on est bien. Par contre, ils vont certainement avoir leur 18 avant nous, mais bon, on revient, c'est pas grave. Faudrait absolument tout ce truc. Tu sais qu'elle fait un tout droit tout seul avec ce truc et tout. Voilà. Ah voilà, cette balle là. Pas de niveau. Mais bon, c'est comme ça, ouais. Voilà, c'est comme ça. Faut faire avec, il faut qu'on carry parce que nous. Non, et lui, s'il est invisible, il va peut-être pouvoir jouer des trucs. Non, voilà, il préfère se montrer. Il avait juste à rester en fait invisible. Oh là là, non, on s'en va, il y a la terreur en plus. Ouais, c'est 2v5. Bon, vas-y, on poche le mid. Là, vous voyez, on a aucun intérêt d'aller 2v5. Ce n'est pour ramasser les trucs, mais on peut faire autre chose. Donc, bah, là, allons top, comme chose, ça, mais... ils sont loin. Ceux-là, ils vont nous tomber dessus. Ça marche. Là, on va essayer d'aller prendre un petit fort.
Mais bon, à mon avis, la. Il y a ta Sadar hein, qui traîne. Là, je fais des coups de tour. Non, mais attends, tu te prends les coups de tour, faut que tu bats là. Eh, mais je suis ralenti là, j'avance vraiment pas. C'est pas que je peux pas. Ah là 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 là. Ils sont morts. À tout à quitter la game. Ils sont morts. Ouais. Non mais s'il vous plaît quoi. Bah j'ai tanké 20 minutes quoi. Il y a un moment j'ai tellement pas de dégâts par contre. Faut pas que tu meurs hein. Non je pars pas, t'inquiète. Ah là, il faut revenir avec une terreur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fait? On se bat déjà. On se bat pour vous. Moi, je me bats pour Lyrka aussi parce qu'elle a dit qu'on était beau, grand et fort. Bon, là, c'est pas trop le cas. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait tout seul devant la terreur, s'il vous plaît, quoi? S'il vous plaît, mais non, mais du coup, je meurs pour lui, mais ça m'énerve, mais ça m'énerve, mais ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ça c'est le problème de jouer sub, c'est que vous voulez tout le temps aller aider les gens et quand les gens font des mauvais calls, des fois vous devez les suivre et en fait faudrait pas les suivre, faudrait les laisser mourir. Mais quand vous êtes sub, c'est très dur de laisser mourir quelqu'un. Mais des fois c'est la bonne solution. Là, le gros bébé. Non. Oh. Bah, il lui donne un coup et puis c'est réglé quoi. Toi dégage. Non. Oh, c'est vraiment dur. Hein. C'est pour ça que moi je joue, bah, à part en stream, mais sinon je joue tout le temps des carries, comme on dit. Donc des persos qui font. Des damage qui font du dégât, voilà, donc je joue Vala, le DD, c'est la vie. Nova, Falstaff, parce que du coup, bah, s'il y a quelqu'un qui sert à rien, bah, au moins vous pouvez compenser. Donc Veigar hein, qui est très fort, mais bon, évidemment, faudrait qu'il soit évidemment level 5 pour débloquer un peu tout. Je ne sais même pas ce qu'il a. Ah ouais, bah ouais. Ouais, il y a des trucs tellement forts après. Ce perso est vraiment, vraiment super fort, quoi. On refait une game comme ça? Allez. Et après on se fera plaisir. On se fera plaisir pour la last. Moi c'est la last là. Ah c'est la last. Bon bah alors vas-y. Faisons. Tu pars à moins le quart. Support Diablo. Support Diablo. Il n'y a pas vraiment de support Diablo. Hein. C'est pas un support. Ouais. Je me bats là. Voilà ou Tyrael. J'ai pas mal joué Vala déjà en stream donc prenons Tyrael. Le Titi, le Rara. Voilà, que j'adore. Hein. Ce perso c'est juste fou quand même.
C'est ce que je joue en ranked d'ailleurs. Si je peux le prendre, je joue Tyrael. Oh, bah on a une super team. Ah là, franchement, Si j'étais jamais ils paniqueux. savent bien jouer. Oh, puis en plus sur la map de salle. Donc si vraiment là les gens jouent bien, il y a moyen que la partie soit pliée en 15 minutes, même pas. Bon, et normalement, Tyrael, je devrais faire des choses un petit peu mieux qu'avec Rhaegar, parce que là, j'ai pas non plus été transcendantal avec Rhaegar. Je fais un petit 34-0 hein, la dernière fois avec Tyrael. Vas-y, je vais prendre le truc au bot là. Est-ce que je peux cheater? J'avais déjà essayé ça. Donc, Tyrael, moi je le joue quand même pas mal dégâts. Parce qu'au final, il est tanky naturellement. Donc, j'aime bien pouvoir ajouter du dégât, bah, tout simplement, comme je vous ai dit, hein, pour pouvoir carry un petit peu quand il y a du souci. Et notamment au level 1, en fait, où en gros vous avez un truc qui vous augmente votre trait quand vous mourrez. L'objectif de ce game est de ne jamais mourir, donc jamais je vais cliquer sur ce truc-là. Et après, vous avez celui qui augmente votre A, c'est l'épée, et votre 2, c'est le coup direct. Et donc, ils augmentent On du va au même mid? nombre de On va au mid? On va au 30%. mid? On On va va au au mid? mid, allez. Attends, non, je vais aider là d'abord. Vas-y, je suis là. Sauf que, en fait, le truc, c'est que 30%. Bim! First blood. Ah! Voilà, c'est bon. Fais gaffe au truc, je vais au mid. Et donc, vous voyez, les deux augmentent de 30%. Par contre, vous en avez un, il a un CD de 12 secondes et l'autre de 7 secondes. Donc, clairement, il vaut mieux prendre les 30% sur les 7 secondes. Et donc, si la Vala joue bien, Tyrael, c'est un match-up perdant sur la lane. Hein. Parce que j'arrive pour ganker. Tu es prêt? Après, elle a pas l'air de jouer magnifiquement. C'est le C'est parti. gank! Elle va faire sa roulade, voilà. C'est pas grave. Je te laisse en 1v1. Je vais au top. Parce qu'ils ont chié au top là. Ah, au bot il est mort? Non. Il est plus là. Ok. Oh, ils sont deux, hein. Normalement ça devrait être bon. Hein. Ah, ils sont 2v2, mais avec un Asmodan ils se font repulse. Donc comme c'est perdant, le seul moyen d'arriver à gérer, c'est d'esquiver tous ses spells pour Putain, qu'elle merde. utilise sa mana et que vous perdiez pas trop de vie. Et surtout évidemment de bloquer les creeps, hein, ça c'est la base pour pas que vos tours dépensent des munitions sur les creeps. Donc même si vous les tuez pas, bloquez-les. Voilà, donc là elle vient de faire son coup. Ah, et pour ceux qui savent pas encore, parce que c'est les petites mécaniques de base, mais donc Voilà. contrairement aux autres MOBA, les tourelles ici ont des munitions limitées. Limitées à combien ça doit être, une quinzaine là? Donc elles font 15 coups et de temps en temps elles se rechargent avec le temps. Ou alors avec certaines Au capacités. bot, au bot, au Mais bot. je suis au bot. Mais sinon. Sinon, ça n'arrive pas. Ah, je me suis fait stun, je suis vraiment un débile. Donc là ça va fighter, du coup j'ai pris le heal, même si c'est pas forcément ce que je préfère. Au moins ça permet de faire des fights étendus. Vas-y, faut peut-être pas nous regarder les autres là. Bah Non l'autre mais... c'est normal qu'il bouge pas. Ouais non mais je parlais des autres. Mais là on Bon, est c'est bien quand même hein. ma faute parce que j'ai un gauge alors Là, que là on est très très bien hein. L'argent à beurre DPS comme un gros gras. Ah, je vais tuer les deux. Ah non, j'en ai tué qu'un. Double kill. Triple kill. Non, mais là, voilà! Sergent Hammer, c'est tellement le café. Bah, il était super bien positionné. Moi, je suis resté devant en permanence. En plus, il se rend pas compte qu'il se fait déglinguer. Ils sont mauvais, hein. Bah, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais pas vraiment. Genre, ils voient qu'ils se font taper, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est dramatique. Bon, bah, du coup, ça s'est bien passé. Vala va au mid, je vais au top, comme ça, on perd pas trop d'XP.
Par contre, non, va là, faut que t'ailles au mid là. Elle a pas compris le truc là. Pas compris mes pings, c'est dommage. Donc là, normalement, faut pas utiliser. Bien, hein. On quoi pas à prendre le point. Putain, vous l'avez pas. Mais ça, non, j'étais persuadé qu'à 3 vous l'aviez. Non. Ah là là. Ah là là. Ah, puis là, il va mourir. Ah, désolé, j'étais persuadé que vous l'aviez. Oui, moi aussi, mais ils ont tellement jambonné que non. Là, je vous mets jambon aussi. Il faut que Sergent Hammer se remette en place, sinon on n'arrivera pas. C'est qui est mort, Sergent Hammer. Moi j'essaye de tanker hein, au maximum. Oh, j'arrive, mais... hein, j'arrive. Je vais choper Vala. Je tanke pour rien ou je tanke? Non, non, c'est un peu pour rien quand même, mais. Voilà, ah non, sur la finale, sur la finale c'est bien. Moi je m'en vais. Hein. Sergent Hammer est pas là, d'accord. D'accord, c'est pas faute. Il faut les empêcher de prendre le point là. Ouais, je crois que Vala fait bien son taf. Merci Diablo. Le problème c'est que je pense que le truc est plus près de. Près de chez eux. Ah oui, elle va la voir. Ah oui, elle va la voir, je vais au top. C'est bon. On a Diablo. Voilà, GG. On est bien hein. Moi je vais au mid. On a une Vala qui est présente. On a le level d'avance. Ouais, et puis on a une Vala qui est très très présente. Oh, et puis Sergent Hammer, parce que on a souvent fait en stream des persos avec des Sergent Hammer, vous connaissez pas le perso. Oh là là. Et du coup, c'était dramatique. Là, on a Sergent Hammer qui s'est très bien placé. Moi, je fais pas les camps pour garder l'XP. Hein. Continue. Donc là, il y a deux spells. Hop, je prends ça et on expliquera après. Voilà, donc il y en a un, vous allez sur quelqu'un, vous le stunnez, et l'autre vous rendez le perso invulnérable. Donc moi je trouve que c'est mieux de stunner la zone, tout simplement parce que ça rend invulnérable dans le sens où vous ne prenez pas de dégâts si les gens ne vous tapent pas. Et ça permet de faire des choses assez sympathiques. Voilà, on en tue deux avant le spawn, qu'est-ce qui se passe? All right. On est plus que bien. Understood. En bas. Vas-y. En bas là-bas. En bas là-bas. Pardon, excusez-moi. Je vais bien faire. Donc moi je lag un peu moins, c'est un peu plus jouable. Vous voyez, Thierry, elle est tanky très naturellement. Là j'étais vraiment comme un gros sale en plein milieu sans réfléchir et ça passait. Ça marche toujours bien d'y aller sans réfléchir. Faut y aller au talent. Donc avec Vala on fait un tour au top là. La super sonne au bot. Et un spawn au bot. On va peut-être y aller. Ouais, faut que tu viennes surtout qu'ils sont beaucoup là. J'a-weave. Vous êtes en avance. Ouais, je vais même en profiter pour aller des push. Ah, 18 secondes sur lui, chier. Allez, ça va TF. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, il perd du temps pour venir l'arrêter. Du coup, hop, on va essayer de la sauver. Voilà, ça c'est fait. Vas-y. Et là, c'est le troisième, et vous savez. Et là, c'est le tout droit. Tout droit au mid, hein. Allez. Allez, vas-y, on le tue. Easy peasy. Donc là normalement faut pas faire un ulti sur un seul mec parce que c'est pas rentable. Mais tuer quelqu'un pendant la phase de push comme ça c'est juste trop bien. Parce qu'après vous faites des tout droits.
Allez, on va troller. Hop. Je m'en fous parce que les tours ne font rien. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe à Dallas. J'ai essayé de la grab à travers le mur. Oh, les dégâts. Allez. Oh, le talent. Dem skills. Elle talent. Alors voilà. C'est cette balle qui est absolument terrible. Si vous faites rien, les adversaires c'est juste ridicule. Cette map, je la trouve ridicule. La course dure mais tellement trop longtemps. Faut la diviser par deux, voire par trois, quoi. Mais non, regarde, hop, c'est le shield. Voilà. Et le jambon. Contrairement à la semaine dernière où je crois on avait fait que des bonnes games et la dernière on s'était fait éliminer. Ouais, c'est l'inverse. Là, on va finir au côté. Mais yeah. Bah écoute, je fais un peu de camp. Voilà, un petit boss. Peut-être une bonne idée. Ah, je me caille des arpions. Et donc, tout de suite, quand vous jouez avec des gens qui savent jouer, c'est quand même autre chose, quoi. Déjà parce que Freeman ne râle pas, déjà. Déjà. Moi, je parle de ça, c'est le truc que j'adore avec Tyrael sur les 3 maps où il y a des boss comme ça. C'est quand il fait son truc, vous pouvez mettre l'épée au sol, esquiver et quand même revenir. C'est trop bien. On l'escorte, on fait un tout droit. On gagne tellement d'XP, 16-12, tellement la fin du monde. J'ai ma petite cape solaire en plus, tranquille. Ouais, pareil. Ah ouais. Ah oui, là on fait du tout droit là. Allez, viens. Ah oui, il tombe dedans. Oh là là. Ils sont 5 par contre, hein. Fais gaffe, moi je lag assez beaucoup. De vous barrer, mais moi je m'en fous. Hein. Au pire, je meurs, c'est pas bien grave. En train de gagner. Toucher, c'est toujours. Donc là, je back pas parce que j'ai un peu de sustain sur mes auto-attaques. Et si vous regardez bien, ça marche contre les murs. C'est abusé. Bon, il m'a pas laissé détruire le mur. Allez, go, commence. Là j'ai fait mon ulti, c'était juste pour sauver Sergent Hammer. Voilà. Voilà. On récupère encore le point. Diablo has been killed. Donc, vous voyez, j'ai pris quasiment que des spells d'attaque et je tank très bien. Oh, il s'est pris l'ulti de regard. Oh, il s'est pris l'ulti de regard. C'est dommage. Moi, je fais un trou au bot pendant ce temps-là. C'est beau. C'est tellement n'importe. On joue n'importe comment, quoi. On fait des trous droits sans réfléchir. C'est ça que ça bande. Oh là 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 là. On vous l'avait annoncé hein, avant le début de la partie avec la team qu'on avait, si jamais les gens jouaient ne serait-ce que correctement, on gagnait en 15 minutes. Là les gens jouent très bien, on va en gagner en 14. 13 peut-être même. Bah non, ça dépend, baquet. Il... Pas grave, je fais un trou bas, tout va bien. Je sais pas pourquoi ils veulent que je back, je vois pas là. Bah oui, t'es full life, c'est Diablo, enfin, t'arrives avec des minions. You wish my blessing, you better run. Ah bah retenez-les, je vais prendre le truc. Sans fuir, voilà, je suis mort, on s'en fout complètement. En plus, ça t'en respawn instantané là. Bah voilà, ouais, complètement. Puis on va voir le tribu, pour l'instant là, ça push sur toutes les lanes. Je m'en fous complètement de mourir. Par contre, là, on va essayer de gagner le teamfight. Balance mon ulti. Voilà, voilà. Je vais du
perdu un V3 pendant ce temps-là, tout va bien. Je les empêche de sortir là en les bloquant. J'arrive avec un stun, hein. Et c'est le shield. Oh là là, Demplays. 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 Regarde, c'est tu. Our time is short. Il l'a pas eu. Il est déçu, il l'a pas eu. Moi, je fais un tout droit. Arrive au corps. Voilà, ça je suis tire à elle, je prends la tour tout seul. Allez. Voilà. Who shall carry my favor. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Oh là là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, on va tous les deux y passer. Oh, il arrive à s'enfuir. Non, il arrive pas à s'enfuir. Ah, je cours. Je cours très vite. Je cours très vite. J'ai un reset comme ça. On la jambonne par haut. On la jambonne par haut. On passe de l'autre côté. Ah, oh, c'est le jambonnage. Ah, oh, c'est le jambonnage, elle est déçue. Hop, je mets ma monture, je cours. Ah, je mets ma monture, oh, je cours. Troisième tribu, mais c'est tellement la fin. Ah, je mets ma monture, je cours, je mets mon shield. Je mets mon shield. Je mets mon épée. Je cours. Je cours et comme je vais mourir, je reviens avec un stun. Voilà. J'ai mis Vala sur toi pour qu'elle tue, ça va pas marcher. Ah, là, c'était beau. Ou j'en crève. Ah là là, on fait tellement n'importe quoi dans cette game. J'aurais pu m'enfuir, mais je trouvais ça tellement plus drôle après un essai comme ça de remettre l'ulti dans le tas. Je m'attendais quand même à ce qu'on fasse des trucs. Ah mince, j'ai encore revécu en fait. Je suis tellement pas habitué à revivre tout le temps. Them plays. Les pauvres, c'est tellement Bagdad. Faut faire le boss et l'escorter et puis gagner. Hein. Okay. Sinon on pourrait même faire le boss en bas. Non non, on escorte l'autre, on gagne. C'est trop long. 16 minutes, on aurait dû gagner à 14, c'est pas normal. Light the way. Le stun. Est-ce que je fais mon ult ou pas? Je sais pas si c'est utile. Allez, coup de boule. Allez, bourré, vermisseau. Quadra kill. Oh yeah. Oh yeah. Give me penta. Et vous voyez, là j'ai pu rester un tout petit peu plus parce que j'avais pris ici le heal. Le heal est un tout petit peu. Par contre, on peut le voir. Bon voilà. J'ai envie de dire propre. Propre dans le sens où on a trollé et ça a quand même été rapide. Non mais là c'est clair, on avait tout de suite vu que on avait une team qui plaisantait pas, on a eu la curse, on a creusé et puis après pff, on a cette curse est beaucoup trop déséquilibrée. Je veux dire, à partir du moment où on a eu les 3, qu'on a fait un tout droit pour prendre les 3 tours, mais pff, c'est la partie est finie quoi. Parce que le problème c'est que non seulement vous avez 3 tours en moins, ce qui déjà en soi est compliqué vu que vos lanes vont gagner, donc pour les adversaires c'est compliqué, mais en plus vous avez de l'XP sur les kills des bâtiments. Ce qui fait que vous prenez un gap de niveau qui fait que c'est impossible que les gens reviennent, mais vraiment impossible. La seule chose à faire en fait quand vous prenez la curse, c'est juste d'aller teamfight et d'aller tuer les mecs. Au moment où vous êtes en train de perdre le troisième
le troisième tribu. Faut tout donner et puis essayer d'en tuer le plus possible pour qu'ils puissent pas faire leur tout droit. Parce que vous pourrez pas défendre. Une cure. S'ils sont 5 en vie en face, même si vous êtes 5, vous allez vous faire humilier. C'est ça. Une cure, s'il y a 5 personnes en vie, c'est quasiment la game. C'est beaucoup trop dramatique. Donc voilà. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. On verra avec Judy pour vous mettre une petite news du coup des persos qu'on jouera. Donc, je pense que l'idée qu'il y a eu là était pas mal, hein, de dire on fait un ou deux duos qu'on aime bien. Après, on fait une ou deux maps avec les persos gratuits pour que vous puissiez y jouer aussi pour ceux qui ont l'accès. Et après, une petite game fun. Je pense qu'on est on est bien. Et on en profite à terminer cette émission par un petit teasing. Dans trois semaines. Nous serons in that place. Chez le monsieur Fibre. In that place. Donc nous serons tous les deux chez notre ami Freeman. Et donc, avec plein d'autres mondes. Voilà, donc ce sera peut-être une soirée animée. Ce sera un peu trop lolo, je pense. Voilà. Il y aura du monde, donc on espère que nos potes vont pouvoir aussi nous rejoindre avec leurs petites clés lunettes. Et sinon, on jouera avec vous en plus, mais bon, ce sera une petite soirée marrante. On vous retiendra au jus, bien entendu. En tout cas, pendant les vacances, on fera un petit truc spécial. Voilà. Donc, sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Yes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer et nous dire si vous avez envie qu'on joue certains persos en particulier. C'est ça. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.